Bonjour à tous, ici Direct Style et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la troisième bêta de l'iOS 8.3. Première nouveauté, dès que vous allez dans les réglages de l'application Message, il y a maintenant marqué filtrage des conversations. Ce réglage va vous permettre d'activer une fonction dans l'application Message où ça va vous ajouter deux sections quand vous montez vers le haut dans l'application Contact SMS. Donc le premier Contact SMS, il y aura tous les contacts déjà enregistrés et filtrés, ceux qui ne sont pas encore enregistrés dans vos contacts. Dans cette troisième bêta, l'application Apple Watch voit le jour. Elle va vous permettre de jumeler votre Apple Watch avec votre iPhone si vous en avez une. Donc là, vous prenez l'Apple Watch en photo et si vous avez Bluetooth activé, l'Apple Watch va être jumelé avec votre iPhone. Donc une section explorée pour voir toutes les pubs de l'Apple Watch. Maintenant, dans cette troisième bêta, quand on ouvre l'application Boussole, il y a un bouton annuler pour annuler l'étalonnage. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Dans cette troisième bêta, le clavier pour faire des recherches sur Safari est amélioré. Par exemple, avant, certaines personnes, ça arrivait que dès qu'ils marquaient une recherche sur Safari, avec leur pouce, en faire esprit, touchaient le bouton pour mettre un point. Donc maintenant, du coup, la barre d'espace a été élargie pour remédier à cela. C'était Jarek Style pour la présentation de la troisième bêta de l'iOS 8.3. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter et très important, à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Jarek Style et moi, je vous dis à la prochaine.